Eh bien, devinez de quoi on va parler ce soir. Je vous laisse deviner de quoi on va parler. Ouais, j'ai tout préparé. On va parler, c'est le live 4 et on va parler de la brassière. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Et ben, comme je commence à devenir un pro des lives, je vais faire comme les pros. Je vais faire une introduction à ce live. Et cette introduction, je vais la faire sous une forme de message. En fait, on va imaginer qu'on est en mer, que j'ai une radio. Et. Du coup, voilà. Et du coup, eh ben on va lancer un message de sécurité. À la radio, il y a trois possibilités. Soit on lance un message Mayday. Mayday, c'est un appel de détresse. Soit on lance un message Pan-Pan. C'est en dessous. Ça veut dire qu'on appelle les secours, mais qu'il n'y a pas de vie en danger. Et le troisième, c'est un message de sécurité. Eh ben, c'est ce qu'on va lancer ce soir. Pour lancer le live, on va lancer un message de sécurité. Et en plus de ça, je vais m'entraîner, je vais le faire en anglais. C'est pas facile. Et donc en anglais, ça se dit sécurité, sécurité, sécurité. All station, all station, all station. This is coaching presence. At 20, 30, 1 UTC. Navigational information. Now is live 4. About safety jacket. I repeat. Now is live for to about safety jacket. Eh bien, bienvenue sur le live de la chaîne Coaching Plaisance. Bonjour à tout le monde. On va mettre en route les messages. Le chat en direct. Voilà. Eh bien, on va commencer classiquement. Je vais enlever rien. C'est une gilet de sauvetage. C'est pas vraiment de ça qu'on va parler. C'était pour rigoler. C'est la petite blague du soir. Et avant de commencer, on va faire un truc que j'aime bien faire. C'est que je vais vous présenter la carte du jour, la carte du live. Eh bien, on est dans un endroit que j'aime vraiment bien et que j'appellerai un petit peu mon bureau. Et ici, on est dans la rade sud de Marseille. Ça, c'est la rade sud de Marseille. Marseille, c'est un port où il y a deux rades. Et en fait, là, il y a la rade sud. Ça fait un demi-cercle comme ça, comme une demi-lune. Ben, il faut imaginer que dans la rade nord, au-dessus, il y a la même chose, une demi-lune. Donc, on a le vieux port de Marseille qui est là. Là, c'est l'archipel du Frioul avec les trois îles. La petite île qui s'appelle le Château d'If, Ratonneau, Pomègue. Et là, c'est la Pointe Rouge. C'est l'endroit où on appelle la Pointe Rouge. Et en bas, c'est les Goudes. À Marseille, on dit les Goudes, c'est bien. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Et n'hésitez pas, me dites-moi le petit bonjour. Puisqu'on est sur Internet, mais en fait, j'ai compris pourquoi ça me stressait un peu Internet. C'est parce qu'on a du mal à savoir qui est en face. Alors, je dis bonjour à. Alors, je vais plutôt prendre mon téléphone. Parce que je ne vois pas bien. Alors, il y a Serge qui me dit bonjour. Serge, salut. Eric qui nous dit bonjour. Thomas qui nous dit bonjour. Les trois premiers, c'est les trois clients à moi. Donc bonjour mes clients. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. À bientôt. Il y a Julien qui nous dit bonjour. Valentin. Jean-Mi aussi. Jean-Mi, salut Jean-Mi. Et. Oh putain, l'accent dirait Chirac. Ah putain, je sais pas. C'est bien. Si j'ai plus l'accent marseillais, c'est bien. Julien qui nous dit. Do you read me? Et Valentin qui nous dit Allez l'OM, Marseille! Allez, donc on va commencer. Et en fait, ce soir, on va parler d'un truc très important, c'est la base. Et la base, c'est la brassière. L'année dernière, à la même époque, je me posais la question, quel catamaran j'allais acheter? Finalement, je n'en ai pas acheté. Ce qui est finalement plutôt pas mal, parce que ça m'a un peu sauvé la vie pour la situation actuelle, qui n'est pas facile. Et là, en rangeant mes petites affaires pour préparer ma saison, je me disais, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas de brassière à moi, j'utilise des brassières du bord, et je voulais m'acheter une brassière. Et la brassière, c'est quand même la base. Quand on est, par exemple, moi je fais de la moto, avant de penser à s'acheter une moto, il faut avoir un bon casque. Et ben, on peut dire que la brassière, c'est le casque. Est-ce que. Ah, ça y est, c'est revenu. Tout le monde est sur Internet. C'est bon, c'est revenu, vous me voyez? C'est bon, c'est revenu. Voilà, désolé.
où je suis, en ce moment, il n'y a pas de très bonne connexion. Tout le monde est sur Internet et ils sont tous en train de regarder le live, c'est pour ça. Alors, en fait, voilà, j'étais en train de vous dire, pour préparer le cours sur le enfin, pas le cours, ce live sur la brassière, je fais comme d'habitude, je prends mon livre de chevet, le meilleur livre pour apprendre la voile, le guide de manœuvre d'Éric Tabarly. Et donc, en fait, j'aime bien avoir l'avis d'Éric Tabarly. Bon, c'est lui qui a écrit ce livre. C'est un très bon livre. Pour moi, c'est le best of the best des livres pour apprendre la voile. Alors, c'est un peu ancien, mais c'est immuable, la voile. Donc, ce guide, et en plus, il est dessiné par Titouan Lamazou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un peu l'avis d'Éric Tabarly? J'ai feuilleté le livre. Et par exemple, quand on part sur les manœuvres de mauvais temps, regardez la photo. Vous le voyez comme il est beau, torse nu. Mais il n'y a pas de brassière. Non, il n'y a pas de brassière. Puis après, je me suis dit, je vais aller voir le chapitre de l'homme à la mer. Et le chapitre de l'homme à la mer, non plus, il n'y a pas de brassière. Donc dans ce livre, pour moi, qui est la base pour apprendre, enfin, qui est le meilleur livre pour apprendre la voile, de culture générale, par sa pédagogie, par le plaisir qu'il apporte, les dessins, jusqu'à, c'est très poussé. Il parle même pas de brassière. Il n'y a pas la brassière dedans. C'est bizarre. Et en plus, Éric Tabarly, c'est vraiment un homme qui, pour la brassière, il n'y a rien. C'est lui le plus grand, c'est lui qui a fait le plus parler de la brassière. Il y a eu un avant et un après Éric Tabarly. Et en fait, pour ce live, j'ai décidé, à la fois, avant de commencer, de commencer vraiment à faire le cours sur la brassière, on va revenir sur Éric Tabarly. Et Éric Tabarly, voilà, Éric Tabarly. On va lui rendre un petit hommage ce soir. C'est une école de voile, Coaching Plaisance. On a le respect, on va dire, de la culture, la tradition. Et en fait, ce que je vais vous lire, c'est comment Éric Tabarly est décédé. C'est juste un petit moment. Je sais que ça va prendre un petit peu de temps. Je ne suis pas un très bon lecteur, mais je voulais passer par là. Et en fait, ce que je vais vous lire, c'est qu'en 1998, Éric Tabarly, il part sur son Penduick 1, le plus beau. C'est un plan Fife, un bateau en bois magnifique qui est assez dur à naviguer. Et alors Éric Tabarly, il a 66 ans. Voilà, il sait plus. 66 ans, c'est jeune, mais je veux dire, voilà, il est plus. Enfin, il commence déjà à être un petit peu âgé. Mais il est costaud et tout. Hein, c'est attention, c'est un bon marin. Et en fait, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai décidé de vous lire la lettre que la famille a écrite à l'AFP et ils se sont arrêtés là. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une lettre qui fait foi et qui rend hommage à Éric Tabarly. Je vais vous la lire, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, je voulais au moins, pour moi, pour mon plaisir, pour la culture générale, pour continuer l'esprit d'Éric Tabarly, je vais lire cette lettre-là. Ça vous va? Alors, écoutez bien. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est une petite histoire. Alors, c'est la volonté de Madame Tabarly de n'accorder aucune interview, mais de faire un papier pour révéler la vérité. Penduick rejoignait Fairlie, en Écosse, pour participer à un rassemblement des plans Fife. Parti de New Lyme, près de Banzance, vendredi en fin de matinée. Penduick fait route au nord après avoir doublé Lance M. Le vent forcissant progressivement, ont été amenés au fur et à mesure la flèche et le fly jibe, des éléments de gréement. Et deux ris ont été pris dans la grand-voile. À 22h30, Éric Tabarly décide d'amener la grand-voile et de gréer la voile de gros temps. Il demande à tout l'équipage d'être à la manœuvre. En fin de l'affalage de la corne, un coup de roulis, alors qu'on allait la saisir, a provoqué un balancement de tribord sur bâbord.
Eric, se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur la capote de descente, a été heurté sous la corde, à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Nous jetons une balise fer à cheval. Il est minuit 15, samedi 13 juin. Il fait très sombre, très couvert, mer formée et courte. Le voilier manque au portant avec ses voiles d'avant, foc et trinquette. Nous décidons d'affaler les voiles d'avant et de revenir sur notre route. Au moteur, cap au sud. Nous lançons deux fusées de détresse et sur VHF portable, nous émettons sur canal 16 sans obtenir de contact. La batterie de la VHF, faiblissante, devient inopérante. Jusqu'à 4 h du matin, nous faisons route au sud. De 4 h à 6 heures, nous nous laissons dériver vers le nord pour rebalayer la zone. Puis, nous faisons de l'est sous trinquette dans l'espoir de rencontrer un bateau. À 7 heures du matin, nous apercevons un voilier et un navire de commerce. Nous déclenchons une torche de détresse. Les deux bateaux se déroutent vers nous. Par l'intermédiaire du voilier, nous demandons à la voie assistance pour hommes à la mer, hélicoptère et sauveteur. En attendant la mise en place du dispositif, nous continuons les recherches avec l'autre voilier. Nous remercions les sauveteurs pour leur efficacité et leur professionnalisme. Voilà. Ça, c'est le moment de transition. C'est le moment de transition pour cet élément-là. Pour ce qui est d'Éric Tabarly, je voulais le dire. Pour Éric Tabarly, à part cette lettre-là, moi, j'ai rien d'autre à dire. Chaque capitaine est responsable de ce qui se passe sur son bateau. Il faut bien comprendre qu'il y a eu une évolution. Dès qu'on me parle d'Éric Tabarly, qu'on me dit qu'il est tombé à l'eau parce qu'il n'avait pas de brassière, tout ça, j'ai tendance à me crisper. Voilà. À bord du bateau, chacun il fait comme il veut. C'est le capitaine qui est responsable à bord. On peut pas juger quand on est on peut pas juger de ce qui s'est passé en mer et du capitaine, notamment d'Éric Tabarly. Éric Tabarly, c'était un très bon marin. Et pourtant, que ce soit dans son livre ou lui, il ne mettait pas de brassière. Donc on voit que la brassière, c'est pas lié à être un bon marin. On peut être un bon marin et ne pas mettre de brassière. C'est comme ça. L'important, c'est quelles règles j'applique en tant que capitaine à mon bord. Alors moi, j'applique des règles à mon bord qui me sont propres. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. Il s'est passé des choses. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais marin. Voilà. Et donc, c'était en 1998. Et en 1998, c'est il n'y a pas si longtemps. Ben, c'est à ce moment donné-là que cet accident-là a fait prendre conscience. En fait, Éric Tabarly, il était très connu. À Marseille, à Marseille, en France, on est des marins connus. Éric Tabarly, pour les Français, c'était vraiment à l'époque, enfin toujours maintenant, on continue pour les marins, quand même, enfin, pour moi personnellement, Éric Tabarly, même si je ne l'ai pas connu et que en 1998, je n'étais pas encore un marin, pour moi, c'est la référence. Éric Tabarly, c'est la référence. Et en fait, il y a eu une prise de conscience. On s'est dit, l'ensemble des plaisanciers, il y a eu comme un choc. On ne pensait pas qu'un gars comme Éric Tabarly pouvait mourir en mer de cette manière. Moi, ce que j'en pense, c'est pas grave. Je veux dire, de toute manière, c'est ni bien ni pas bien. On le veuille ou on le veuille pas, on est mortel. On le voit en plus en ce moment, là, ça, les virus et tout. De toute manière, il va bien falloir mourir un jour ou l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et à la fin, on finit tous au même endroit, hein, sous terre ou en l'air, mais c'est au même endroit. Donc voilà, il est décédé, c'est triste, un décès toujours triste, mais bon, voilà, c'est pas un mauvais décès, c'est un décès comme tout le monde aura un décès. Dans tous les cas, il y a quand même les plaisanciers, tous les plaisanciers en ensemble, ils en ont tiré une leçon. Ça a mis un petit peu de temps, mais moi, je l'ai vu venir. Je me rappelle à Marseille, il y a 15 ans. Quand je commençais à naviguer avant que je sois moniteur de voile, on mettait jamais la brassière. Et moi, je savais même pas ce que c'était ça, la brassière. On n'en mettait jamais.
Et je me rappelle quand on voyait arriver les Anglais, alors les Anglais, parce qu'en fait c'est arrivé du Nord quand même, les Anglais sont plus sérieux, plus stricts, ils arrivaient avec leurs brassières, on voyait la madame avec le monsieur, ils étaient avec les brassières, alors ça me faisait bizarre, ça me faisait bizarre de voir des gens avec des brassières comme ça, ils étaient deux, la mer était plate, ils avaient des brassières, ça me faisait bizarre. C'est un peu comme le gars qui, je sais pas, qui fait, c'est cette image, hein, comme chez Mota, c'est un peu le gars qui va acheter le pain avec sa moto et qui met sa combinaison de circuit, qui est toute une combinaison en cuir et tout. C'est pas mauvais en soi, s'il tombe pour aller acheter le pain, au moins il est protégé, mais ça fait bizarre. Et c'était le premier ressentiment que j'avais, ça me faisait bizarre. C'était en 1998. Donc petit à petit, ça s'est installé. Moi maintenant, la règle que j'ai, c'est que une des toutes premières choses que je vais apprendre aux gens, même les débutants, c'est la brassière. Cette chose-là. Donc ça, c'est ce que j'applique moi en tant que capitaine. Après, vous faites comme vous voulez. Le capitaine, si vous voulez mettre tout en votre brassière, c'est bien pour vous. Donc la première chose, c'est que on va expliquer la brassière. Alors en fait, tout à l'heure, je suis venu avec un gilet de sauvetage et la brassière. Le gilet de sauvetage, ça va servir qu'à une chose. Ça va servir si je tombe à l'eau, eh ben, ça va me sauver. Ça, franchement, ça par contre, les gens qui ont ça, à part si c'est des enfants, pour moi ça me fait trop rire. Je trouve ça des branquignoles. Enfin, je trouve ça me fait trop rire parce qu'on peut rien faire avec, on peut pas bouger et ça sert à rien. Enfin, faut l'avoir. Enfin. Vaut mieux ça. Voilà. Moi, chez Coaching Plaisance, il y en a pour les adultes, pour les enfants, on met ça. Donc ça, c'est une brassière. La première fonction et la plus importante, c'est surtout celle d'éviter de tomber à l'eau. Donc j'ai ma brassière, je la mets comme ça. Celle-ci, c'est un modèle où on va mettre le petit carré dans le gros carré. Donc ça, c'est une des premières choses que j'explique, c'est comment mettre la brassière. La deuxième chose, c'est que ça, c'est la longe. Donc la longe, c'est comme la via ferrata, c'est un genre de mousqueton qu'on va attacher. Ben, c'est la première fonction, c'est pour éviter de tomber à l'eau. Donc la première fonction de la brassière, c'est son côté harnais, pour éviter de tomber à l'eau. Ça, c'est la première fonction. Et c'est une des fonctions les plus importantes. D'ailleurs, ouvrez vos oreilles, parce qu'il va y avoir un petit jeu à la fin. Je vais vous poser une question. Donc ça, c'est la première fonction. C'est la longe pour éviter de tomber à l'eau. La deuxième fonction, c'est que ça va se gonfler. La brassière, c'est comme un airbag. Ça se gonfle automatiquement. Donc on voit en transparence, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une bonbonne de gaz et il y a un percuteur. Soit ça se fait par la pression hydrostatique, donc quand je tombe à l'eau, ça se gonfle, soit ça se fait par pastille de sel. Alors, si je mets la brassière. Voilà. Alors ça, c'est en cas, ça, c'est pour si jamais ça ne fonctionne pas, on peut tirer dessus, ça se gonfle. D'ailleurs, c'est l'essai qu'on va faire. On va la gonfler. Vous êtes prêts? Tout le monde est là? Vous voulez que je la gonfle ou pas? On la gonfle? Allez, on va la gonfler. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais tirer, il y a un petit téton qui va percuter dans la bonbonne de gaz et ça va se gonfler. Voilà, donc c'est bien, c'est un essai à faire. Alors je ne sais pas trop si je voulais le faire sur une. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de le faire sur la brassière en bon état, je vais prendre une vieille brassière, je reviens. Je vais prendre une vieille brassière, je vais la tirer. On va en faire deux. Ça, c'est les vieilles brassières en rébus. Ah non. Il n'y a plus la bonbonne de gaz.
Ah, c'est bon, j'ai oublié, j'avais démonté les bonbons de gaz, ça marche pas. C'était pas préparé, sur les vieilles, j'avais démonté, j'ai plus les bonbons de gaz, je sais plus où elles sont. Bon, on va faire avec la nouvelle, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc logiquement, c'est automatique. Mais si jamais ça se gonfle pas, eh ben je peux tirer là. Allez, on va bien la mettre. J'espère que je vais pas m'embrouler. Voilà. Ça y est, elle est gonflée. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est fait pour. Ça va nous maintenir comme ça sur l'eau. Eh ben, je vais pas couler. Voilà. Donc là, il y a un petit opercule. C'est au cas où, si besoin, je peux le regonfler. Voilà. Mais dans tous les cas, logiquement, une brassière qui a été gonflée. Après, il va falloir bien la replier, tout ça. Et il vaut mieux pas gonfler pour les essais. Il vaut mieux pas gonfler là, avec l'opercule. Parce que sinon, on met de l'humidité dedans et après, elle se périme. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, ce qu'on va voir, c'est que. On va la dégonfler un petit peu, que je ne me prenne pas la bonbonne à la tête. Bon, je peux la dégonfler, j'appuie sur le bouton, c'est comme une valve d'échappe de voiture. Voilà, et on voit, il y a un trou. Le gaz est tombé. Alors le petit inconvénient, c'est que pour nager, je vais avoir un peu de mal. Ah, c'est la brassière. C'est important la brassière. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a, y a un fabricant de brassière. En France, il y a une entreprise qui s'appelle Certec. Qui fabrique des brassières. Si m'entend le fabricant de brassières, j'aimerais bien faire en avoir une belle. Voilà, vous m'en donnez une, mais je ferai une petite pub. Voilà. Pour tester, faire travailler un peu la France, parce que au jour d'aujourd'hui, j'utilise des brassières qui ne sont pas françaises. Voilà. Mais bon, j'avais. Voilà. Ça, c'est pour le live. Alors. Petit jeu. Allez, on va faire un petit jeu. Pour rigoler, on est là pour rigoler. Petit jeu. Alors, avant de faire le petit jeu, je vais juste relire les messages pour voir si sur le chat en direct, il y a des trucs qui sont rigolos. Alors, si on revient. Tac, 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 tac. Thomas. Sankokai. Coucou. Marin, salut. Serge, salut, ça va le e-learning? Clément, coucou la famille. Alors, le jeu, quel est le jeu? Pour la brassière, je vous ai dit, chaque capitaine, c'est lui qui décide quand mettre sa brassière. Eh bien moi, j'ai une règle que j'applique pour moi et que quand les gens viennent en formation avec moi, s'applique. Et donc en fait, pour le jeu. Pour le jeu, il va voir. On va faire pareil, on va faire toujours pareil sur le parcours e-learning. Donc le parcours e-learning, vous avez vu, j'ai sorti les parcours capitaine catamaran e-learning. Ils sont en vente, mais je vais en faire gagner deux comme ça parce que c'est le confinement et puis on partage ensemble, puis c'est rigolo. Et en fait, la règle, quand est-ce que je fais mettre la brassière? Quand est-ce qu'on met la brassière? C'est la règle des 8 i. La règle des 8 i. La règle des 8 i, c'est. Pourquoi j'appelle ça des 8 i? C'est 8 i. En marseillais, on dit 8 i. Les 8 i, c'est la règle à quel moment donné je fais mettre la brassière. Il faut trouver les 8 mots qui correspondent à quel moment donné je mets la brassière. Alors, on va en faire gagner deux. Pourquoi? Parce que comme il y a plein d'anciens clients à moi, des gens qui sont déjà venus en formation, j'en fais un gagner pour ceux qui sont. Étaient déjà clients, ceux qui ont déjà été clients, et un pour qui n'ont pas
encore été client. D'accord? Parce qu'il y en a, ils connaissent les règles des Witchy. Et donc, le jeu, c'est de trouver à quel moment donné il faut mettre sa brassière à la mode coaching plaisance. Donc, 8i. Je vous en donne un. Non, 8i. I, c'est un mot qui finit par i. Donc, ça veut dire qu'il y a 8 moments en navigation où il faudra que je mette ma brassière. C'est la règle des 8i. Donc, comment on va faire? À la suite de cette vidéo, vous écrivez un message où vous listez les 8i. Le premier qui trouve qu'il y a un ancien client, il gagne un parcours e-learning catamaran. Le premier qui trouve qu'il n'est pas un cap, qui n'est pas encore client, il va gagner un parcours capitaine catamaran aussi. Donc, il y a le jeu, c'est de trouver les 8i. Le premier qui trouve, il gagne. Et si jamais, donc c'est dans l'ordre de si jamais il y en a un qui arrive à en rajouter et que c'est valable, que c'est bien, on les incorporera dans la règle des 8i. Donc, ça pourra devenir la règle des 9i ou des 10i. Ça pourrait être bien, la règle des 10i. Dans tous les cas, il faut trouver les 8i. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un i en exemple? À quel moment donné je dois mettre la brassière? Ah, très bien. Marin nous dit la nuit. Il nous dit la nuit. Nuit, c'est un i. Donc, très bien. Marin, il a déjà un i. D'accord? Un i. Vous me voyez? Vous m'entendez? Voilà. Je vous laisse faire le jeu. C'est la règle des 8i. C'est le jeu. Tout le monde a compris le jeu? Dites-moi oui, c'était clair ou pas, parce que... Et voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est, je voulais vous parler de quelque chose, puisqu'on a parlé un petit peu de culture marine, et puis je suis tombé cette semaine sur un podcast, et je vous invite à aller voir, je mettrai le lien à la suite de cette vidéo. C'est un podcast sur un magazine que j'ai découvert là cette semaine, en fait. Je ne suis pas très magazine de voile, en fait, en vrai dire. Mais ça s'appelle Voile et Moteur. Et ils font des podcasts, c'est pas mal. Et il y a un podcast sur le patron d'une entreprise de bateaux qui s'appelle Boréal, l'entreprise Les Monocoques Boréal. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Jean-François. Alors, c'est soit Jean-François Eman, soit l'autre Jean-François. Ils sont deux Jean-François qui tiennent la boîte. Et je vous mettrai le lien sur ce podcast-là. C'est le podcast, il est génial. Le mec, il explique comment il est devenu de boulanger à fabricant d'un des plus beaux bateaux du monde. Enfin, moi, c'est le bateau qui me fait rêver. Voilà, qui m'a toujours fait rêver. Je suis déjà allé visiter l'usine à Tréguier, en Bretagne-Nord. Voilà, donc là, il y a l'interview de ce gars-là sur voile et moteur en podcast. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Sir Ernst, comme l'explorateur qui s'appelait Ernst, je ne sais plus comment. Sir Ernst, qui fait pareil, c'est 4-5 gars, des anciens, enfin des anciens, des un peu vieux, là, qui partent en Antarctique et qui voyagent avec leur bateau. Donc, je vous invite à aller voir, c'est pas mal. Et pareil, c'est sur le même bateau, un Boréal 47. Voilà. Vous avez trouvé des 8i ou pas? Ça marche? Internet? Voilà, c'était le live de ce soir. Prochain live, plus tard. Peut-être mercredi, on verra. Peut-être mercredi. Si vous avez des idées de live que vous voulez voir, n'hésitez pas. Vous me dites, Vincent, on veut parler de ça. Moi, j'ai ma petite idée. Mais bon, on verra. Voilà, c'est la suite des lives. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. C'est la fin du live. Coaching plaisance, école de voile pas pareil. On garde la dynamique. Banzai, à bientôt et courage!